Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Aujourd'hui, on teste deux caméras pour l'astrophotographie sur un télescope. Le plus gros challenge en astrophotographie, c'est le bruit. Je vais faire ça simple. Votre capteur de caméra transforme des photons en signal électrique. Plus un capteur pose longtemps, plus je génère de la chaleur, plus je génère du bruit. Plus de bruit, moins de signal, on appelle ça le rapport signal sur bruit. Les caméras d'aujourd'hui sont maintenant dotées de ventilateurs qui refroidissent le capteur. On peut donc les maintenir en dessous de 0 degrés Celsius et même jusqu'à moins 20. Ce soir, on teste deux appareils, une caméra refroidie, presque totalement défiltrée, seulement le filtre IR-code d'origine, et une caméra APN stock, Rebel T3i, complètement stock, non défiltrée, non refroidie. Et c'est ce qu'on voit ce soir. Pour commencer, on teste la Canon Rebel T3i, aussi appelée 600D en Europe. Elle a un capteur APS-C de 18 mégapixels et la taille des pixels est de 4,30 UM. Ensuite, on a la caméra ZWO AZ071 MC Pro refroidie. Donc, elle aussi un capteur APS-C, mais 16 mégapixels avec une grandeur de pixels de 4,78 UM. Donc, un petit peu moins de définition, mais quand même assez égal. Donc, le test va être vraiment le fun à voir. Oh! C'est chaud! Les tests vont se faire la même soirée, même cible, même condition de ciel, même temps de pause. La seule chose qui va différer, c'est la hauteur de la cible dans le ciel, mais je vais faire attention pour en prendre une assez haute. Puis je pense pas que ce soit un problème pour les tests. La transparence du ciel ne devrait pas changer vraiment, donc ça devrait faire un très bon test. J'ai finalement décidé de shooter IC1805, donc la nébuleuse du cœur. Nébuleuse qui a beaucoup d'hydrogène alpha dedans, donc une nébuleuse qui est beaucoup rouge. Donc ça va être un très bon test avec les deux caméras. La caméra Rebel T3i, elle, n'est pas défiltrée, donc elle a beaucoup plus de misère à voir le rouge dans la nébuleuse, tandis que la caméra refroidie, elle, peut voir le rouge. Donc très bon test. En plus, ça va être assez haute sur le ciel, donc je pense pas qu'il y ait de problème de transparence entre les deux tests, donc ça devrait être un très bon test. Ça reste à voir. Bon, eh bien, les tests sont faits. 30 photos de chaque caméra, 3 minutes de pause, qui je crois est beaucoup trop pour la T3i dans ces températures-là. Je suis vraiment déçu du résultat. La T3i, c'est bruité. Il y a du horizontal, il y a du bruit horizontal, il y a du walking noise, comme des lignes de travers. J'ai pas fait de tethering parce que j'ai jamais besoin d'en faire avec ma Rebel T6i, qui est beaucoup supérieure, en tout cas avec les résultats que j'ai là. Comparé à la T3i qui est beaucoup plus vieille, le capteur devait chauffer. J'ai vu des photos qui étaient à 35 degrés Celsius. On le voit quand on prend des photos. Beaucoup trop chaud. Donc, je vous montre le résultat stacké sans modification de la T3i. Puis, on constate que c'est dégueulasse. Ensuite, si je vous montre le résultat de la 071 juste stacké, on se rend compte que le résultat est beaucoup meilleur. Capteur beaucoup plus sensible, beaucoup moins bruité. C'est sûr que le cooling aide beaucoup. Puis maintenant, on va processer ça, puis je vous montre ça tantôt.